rivage de bord, au cordage du pont. Envoyez à barre devant. Envoyez la traversière. Embraquez la barre avant. Matelot, âme, joie future. Amarre de bout arrière, amarre de bout arrière. Nous avions dans nos cœurs l'image de collines sauvages. Nous avions dans nos cœurs une île entourée de mystères. Ouvrez votre livre d'histoire, chapitre 2, à la page 25. En l'an 1328, rappelez-vous bien, c'est une date historique. Robert Bruce, à la tête des barons écossais, engagea et défie les troupes du roi d'Angleterre, Édouard III, à Bannockburn. Robert Bruce n'est pour rien dans cette victoire. C'est mon ancêtre Murdoch Buchanan qui gagna cette bataille. Monsieur Weldon, je vous remercie pour cette précision sur un point d'histoire. Je me vois cependant dans l'obligation de vous infliger deux jours de consigne. Votre intervention est aussi insolente qu'intempestive. Bien, monsieur. Excusez-moi, Monsieur Sherman vous prie d'autoriser Monsieur Weldon à se présenter à son bureau. Vous êtes excusé. Nous continuons, messieurs. Chapitre 2, page 25, Robert Bruce. J'ose espérer, madame, que Lord Buchanan nous fera l'honneur d'assister à notre distribution de prix. Bien sûr. Entrez. Ah, le voilà. Approchez, Doniphan. Bonjour, mère. Bonjour, Doniphan. Doniphan, madame, votre mère vient vous chercher afin que vous puissiez accueillir votre oncle, Lord Buchanan, qui arrive d'Angleterre. En conséquence, vous serez dispensé de cours pour le reste de la journée. Je vous remercie. Alors, Doniphan, vous venez? Je ne peux pas, Monsieur Stiggins vient de me consigner. Pour quel motif? Pour insolence, monsieur. Je crains que ce ne soit une faute grave. Dans ce cas, je suis sincèrement désolé, il ne peut pas sortir. Et là, je ne peux absolument rien faire. Soyez indulgent, Monsieur Sherman. Songez à Lord Buchanan. Il serait fort contrarié de ne pas voir son neveu en débarquant. Oh, bien sûr, j'en suis conscient, mais vous comprenez que les règles qui régissent alors, notre... Alors, cher monsieur, convenez que chaque règle supporte une exception. Madame, j'aimerais vous être agréable, mais... À moins que... Doniphan, vous méritez un châtiment. Oui, monsieur. Alors... Afin de donner satisfaction à madame votre mère, je vous propose à la place de la consigne de vous donner le fouet. Lui donner le fouet? N'est-ce pas un peu excessif? Chère madame, les vertus moralisantes du châtiment corporel sont, comme vous le savez, sans égale. Eh bien? Le fouet, s'il vous plaît. Bien. Puis-je vous demander de regagner votre voiture? Doniphan vous rejoindra dans un instant. Chère madame, mes hommages et ne manquez pas de présenter mes respects à Lord Buchanan. Oui. Veuillez retirer votre veste.
Allez, James. Ah, voilà la calèche de madame votre sœur. Edouard. Félicitations, ma chère Elena. Vous resplendissez. Je vois que l'heure des antipodes vous réussit. Sans vous flatter, je crois que celui de notre vieille Écosse ne vous a guère changé. Oh, et cela en dépit du temps. Comment allez-vous? Oh, ne parlons pas, je vous prie, du temps. Il parle bien assez sans qu'on le sollicite. D'ailleurs, en voici un témoignage. J'imagine que c'est là mon neveu. Oui, monsieur. Ce monsieur est votre oncle. Oh, oui, mon oncle. C'est un vrai Buchanan, apparemment, mais cette raideur dans votre posture, êtes-vous malade ou infirme? Non, mon oncle, non. Qu'est-ce donc alors? Une courbature. Ah. Pratiquez-vous un sport? Oui, mon oncle, je pratique la boxe, l'équitation et je suis assez bon tireur. Oh, c'est très bien, ça. Et la mer, les bateaux. Vous plairait-il de visiter le Sloudy? Oh oui, mon oncle. Eh bien, à tout à l'heure. Nous avons, votre mère et moi, tant de choses à dire. On va relâcher deux mois, ce qu'on dit. Oui, il paraît. Regarde. Tiens, tiens, bienvenue à bord, jeune homme. Mon nom est Doniphan Weldon, je suis le neveu de Lord Buchanan. À qui ai-je l'honneur? Capitaine Hull, monsieur Weldon. Je suis à votre disposition. Puis-je me promener un peu? Certainement, si vous ne craignez pas de vous salir. Merci, capitaine. Attention, le voilà. Oh, oh, mille pardons, excusez-moi, votre honneur. Tu veux pas faire attention à ce que tu fais? C'est malin. À mon neveu de venir au salon. Bien, Milord. Monsieur. Que voulez-vous? Excusez-moi, monsieur Weldon. Lord Buchanan veut vous voir. Il vous attend au salon de la Dunette. La Dunette? Qu'est-ce donc cela? Je vais vous conduire, suivez-moi. Vous êtes le mousse? Oui, monsieur. Ce doit être amusant, cela, non? Oh, oui. Ça me plairait, je crois, de courir ainsi la mer. C'est pas un métier de gentleman. Pourquoi faire ce canon? Je sais pas trop à quoi il sert. À nous défendre, peut-être. Contre qui? Les pirates? C'est bien possible. Vous en avez déjà rencontré? Bon, non, monsieur. Eh bien, allons-y. Oui, c'est par ici. Doniphan, vous êtes littéralement trempé. Vous allez vous enrhumer. Je ne suis pas en sucre, mère. Est-ce ainsi qu'on parle à sa mère? Excusez-moi. Alors, mon neveu, comment avez-vous trouvé notre Sloudy? Très beau, mon oncle. J'ai fait de ce voilier un bateau de plaisance, ou si l'on veut être plus précis, une goélette. C'est une idée saugrenue en apparence, mais j'avoue que je m'en trouve fort bien. Craignez-vous réellement les pirates? Je vois que vous avez découvert notre canon, une lubie du capitaine Hull. Nous sommes armés comme pour un véritable combat naval. À vrai dire, au cours de mes croisières, je n'ai encore jamais eu l'occasion d'apercevoir le Jolly Rogers au sommet d'un mât. Vous le connaissez, il représente une tête de mort et deux tibias croisés. J'ai l'impression que Hull en arrive parfois à le regretter. Elena, venez, asseyez-vous.
J'ai pensé qu'il vous serait agréable, à vous et à Doniphan, de passer notre première soirée ensemble à bord du Sloogie. Nous avons l'habitude de dîner de bonne heure. Elena, voulez-vous un petit verre de sherry? Merci, je bois très peu. Demain, je prendrai pied sur votre nouvelle patrie. J'ai hâte de parcourir vos élevages. Souffrirez-vous ma présence pendant ces 8 semaines? En voilà une question. Autant de semaines qu'il vous plaira. Comme je regrette que nous soyons séparés par des milliers de milles de nos chers Icons. Ah, il vous manque tant que ça? Ah, oh, l'Écosse. Je la porterai dans mon cœur jusqu'à ma mort. Et vous? Plaît-il? Que représente l'Écosse pour vous? Une terre des antipodes dont j'apprends l'histoire en pension. Rien de plus? Je suis né ici, mon oncle, ma seule patrie, la Nouvelle-Zélande. Doniphan, comment peut-on parler de la... Allons, ne le grondez pas, ma chère, c'est lui qui est dans le vrai. À droite. Vous voudrez bien nous excuser, notre maître d'hôtel est jeune et n'a pas beaucoup d'expérience encore, mais je dois dire qu'il s'applique. Un peu. Puis-je vous poser une question, mon oncle? Je vous écoute, Doniphan. Que va devenir le Sloogie pendant votre séjour chez nous? Ma foi, il demeurera tout bonnement au port, avec son équipage. Au port, pendant 2 mois? Ce ne sera pas la première fois. Peut affronter n'importe quel temps, en n'importe quelle circonstance. Songez qu'à l'avant, près du mât d'Artimon, il y a même un canon capable de tirer des boulets de 20 livres. Il se peut que le yacht de votre oncle soit le mieux équipé du monde, il n'en obéit pas moins à la règle commune que vous semblez totalement ignorer. Qu'en savez-vous, monsieur le français? Le mât d'Artimon se trouve à l'arrière et non à l'avant d'un bâtiment. Enfin, c'est vous qui le dites. Vous n'êtes pas plus marin que moi, que je sache. J'ai cependant un avantage sur vous. C'est d'avoir passé 3 mois à bord du navire qui m'amène à France, alors que vous n'avez jamais quitté votre île, que je sache. Allons, mes amis, Artimon ou pas, un mât est un mât et c'est cela qui compte. Par conséquent, nous sommes tous d'accord, le canon se trouve à l'avant, près du mât. Près du mât de misaine. Brillant, quand bien même vous auriez raison, quel plaisir trouvez-vous à gâcher celui de Weldon? Soit, Gordon, vous dites vrai. La querelle est de peu d'importance, je l'avoue. Quant à me gâcher mon plaisir, soyez sûr qu'il s'y emploierait en vain. J'ai conçu un projet, figurez-vous. Un projet qui vous concerne autant que moi. Le Sloogie va rester 2 mois inutilisé. Nos vacances commencent dans quelques jours. Ne voyez-vous pas là 2 circonstances étonnantes? Que voulez-vous dire? Si je demandais à mon oncle d'autoriser une croisière à bord de son yacht pendant son séjour chez nous, y en a-t-il d'entre vous que cela intéresserait? Croyez-vous qu'il accepterait? Ma foi, si peu que je le connaisse, il m'a paru hier soir un oncle fort convenable. J'ai décidé de profiter du prochain week-end pour l'attaquer de front. Alors, qu'en dites-vous? Ce qu'on en dit, pour Weldon. Hip hip hip! Hourra! Hip hip hip! Hourra! Hip hip hip! Hourra! Là, tu te ferais une très bonne idée. Bien, bien, bon. On va faire une belle première rencontre. Si on rapporte de l'autre, on va faire une belle rencontre.
Une croisière de vacances à bord du Sloogie avec vos camarades? Eh bien, il y a sûrement dans ce projet plus d'un argument de bon sens qui m'inciterait à y opposer un refus, mais pour le moment, je n'en vois aucun. Vous accepteriez donc? Tout doux, mon cher neveu. Encore faut-il consulter votre mère. Ah, vous voilà de retour. Oh, pourquoi vous promenez-vous sans chapeau par ce soir? Doniphan a d'autres préoccupations. Figurez-vous qu'il voudrait inviter tous ses camarades de pension à passer leurs vacances en croisière à bord du Sloogie. Enfin, quelle idée! Des enfants de cet âge, tout seuls, en pleine mer? Tout seuls, oui, mais avec un bon équipage et un capitaine d'une grande expérience. J'avoue qu'à tout prendre, le projet est parfaitement acceptable, car il n'est jamais bon de laisser un équipage désœuvré pendant trop longtemps. Et ces 2 mois de relâche me donnaient du souci. De toute manière, je ne sais si les résultats scolaires qu'a obtenu Doniphan sont suffisants pour lui permettre... Oh, l'on n'exagère en rien. Je vous assure qu'il apprendra bien plus durant ses 8 semaines de navigation qu'en une année entière d'instruction scolaire. Edouard! Non, naturellement, je plaisantais. Je suis toutefois convaincu que ce voyage lui ferait grand bien. Je vois que j'ai déjà affaire à 2 complices, et je constate que, comme le neveu, l'oncle a la tête un peu légère. Et en quoi donc? Le Sloogie logerait combien de passagers? Voyons, nous avons 4 cabines de 2 couchettes. Cela fait 8. Combien de camarades avez-vous pressentis? À ma foi, c'est vrai, à peu près tout le pensionnat. C'est parfait. Et maintenant, messieurs les rêveurs, comment comptez-vous loger un pensionnat dans 4 cabines? C'est à vous que s'adresse cette question. Avez-vous une idée? Pas la moindre. Y a-t-il des camarades que vous préférez? Ça ne serait pas honnête, mère. Tous doivent avoir les mêmes chances. Dans ce cas, je crois avoir la solution. Et en plus, c'est une solution où la charité chrétienne trouvera largement son compte. Ça va bien. Dépêchez-vous, mes chers amis. Allons, le nombre des billets est hélas limité. Chère madame, c'est un succès, il me semble. Ah, oh, nous avons fait une recette inespérée, mon rêve. Parfait, parfait. Elle nous permettra de poursuivre l'évangélisation de nos sauvages. Vous restez-il un billet pour moi? Mon jeune pupille Gordon se passionne pour les choses de la mer et il brûle de participer au tirage. Vous avez de la chance, mon révérend. C'est le dernier billet. Merci infiniment. Je vous en prie. La perspective de ce voyage en bateau a enflammé l'imagination de ce garçon. James, vous pouvez aller vous rafraîchir à l'auberge. Vous reviendrez me chercher dans 1 heure. Bien, monsieur. Ah, mon cher Edouard. Oh. Ces dames tiennent à vous offrir ces maillots en guise de porte-bonheur pour l'équipage. Merci bien. Merci infiniment. Je suis sûre, mesdames, que tous les marins du Sloogie vous en seront reconnaissants. Madame Weldon, Monsieur Sherman est là. Venez, Edouard. Monsieur Sherman va commencer son discours. Outre le respect du savoir et des sciences qu'on leur inculque, ils ne doivent pas oublier la pratique essentielle des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et pour conclure en quelques mots cette traditionnelle cérémonie de fin d'année, je me permettrai d'adresser ici, en mon nom et au nom des parents, mes remerciements à Lord Buchanan pour avoir donné son accord à cette généreuse entreprise. Chers amis, nous allons procéder au tirage de la tombola si impatiemment attendu. Les 7 premiers numéros tirés par cet enfant vont donc désigner les 7 pensionnaires qui, en compagnie de Doniphan, vont participer à la croisière offerte par Lord Buchanan. Allez-y. Tirez un numéro. Le numéro 182. Numéro 182. Félicitations, Macfay. Merci. Un autre. Numéro 45. Numéro 45. C'est mon numéro, mon oncle. Oh, bravo.
Gordon, heureux de vous avoir. Merci. Qui raison, alors ? Numéro 126. Numéro 126. Garnett, je suis très content pour vous. Tirez-en un autre, mon petit. 94. 94. 94. Wilcox, je suis bien content, mon vieux. Et moi donc. Numéro 180. 180. 180. C'est moi, quelle chance. Félicitations, Iverson. 42. 42. Oh, c'est moi. Vous êtes content, Brian? Oh oui, très, merci. Nous allons maintenant tirer le dernier numéro. Numéro 62. Le 62. Oh. C'est moi. Service. C'est mon frère qui a gagné. Expérience pour elle. Que Dieu les protège, qu'ils fassent une bonne traversée, c'est mon vœu le plus cher. Rentrez la traversière avant. O'Brien, surveillez le cabestan. Vogue la vie, vogue l'aventure, nous les marins, nous ne faisons qu'un. Amis, vous bons à nos joies futures, chantons en chœur à nos lendemains. Marinons notre goélette avec cette tempête. Assez le hunier. Abattez à bâbord, c'est le sud-ouest. 20 degrés. Oui, l'équipage de bord au cordage du pont. Vogue la vie, vogue l'aventure, amis vont sans mélancolie. Au matelot, à une joie future, chante la vie qui nous réunit. Nous avions dans nos cœurs l'image de collines sauvages. Voyons, votre fils n'est plus un enfant. Il va bientôt avoir 17 ans. Est-ce qu'il pensera au moins à se couvrir convenablement? Les nuits sont si fraîches. Il vous reviendra solide et bronzé comme un vrai boucanier. Oh, Edouard, n'est-ce pas bien imprudent d'envoyer ainsi des enfants aussi jeunes à l'aventure? Comment à l'aventure? À l'aventure. En cette saison, ma chère, le Pacifique n'a jamais mieux justifié son nom. Les parages dans lesquels ils vont croiser sont plus calmes que le Loch Ness. Que pourrait-il craindre? Qui sait? Quoi qu'il puisse advenir, j'ai toute confiance dans le capitaine Hall. Allez, James. Réduisez la voile du grand pont. Oh, jeunes gens, coupez-vous autour du grand mât. Vous verrez aussi bien, vous ne gênerez personne.
Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Moi, j'aimerais mieux rentrer à la maison. Alors, messieurs, mon pied bon oeil, voici en pleine mer. Vous appréciez l'air du grand large? C'est une fameuse idée que vous avez eue là. Car pour ne rien vous cacher, le vieux loup de mer que je suis appréhendait ces deux mois de relâche. Ma famille à moi, la voilà. Capitaine Hull, soyez assuré que pendant ces 6 semaines, mes amis et moi prendrons grand soin de ne venir troubler en rien votre vie de famille. Parfait, parfait. Et moi, je ferai tout pour rendre votre séjour à bord le plus agréable possible. Voulez-vous voir sur la carte l'itinéraire recommandé par Lord Buchanan? Certainement, capitaine. Eh bien, suivez-moi. Par ici. Le détroit de Bass, la grande baie australienne, l'océan Indien, la mer de Timor, le détroit de Torres, et nous retournerons par la mer de Corail. À la moyenne de 6 nœuds, cela remplira aisément 6 semaines. Est-ce qu'on fera escale, capitaine? Non. Sauf incident imprévu, c'est inutile. Nous avons des provisions pour une longue traversée. Et les pirates? Verrons-nous des pirates? N'ayez aucune crainte. Les mers où il nous faudra naviguer sont à peu près aussi dangereuses que l'estuaire de la Clyde. Ah, c'est quoi la Clyde? Voyons, service. La Clyde est le principal fleuve d'Écosse. Il a sa source dans le Dumfries et se jette dans la mer d'Irlande après avoir arrosé Glasgow. Bon, en tout cas, si on tombe sur des pirates, on les sera à coups de canon. Voyez-en, sire, maintenant voulez-vous vous sauver? Allez, sauvez-vous. Oh. Cette odeur donne l'eau à la bouche, qu'est-ce que c'est? Apprenez, Boussaillon, que j'ai confectionné un potage bisque comme on en sert qu'à la cour d'Angleterre. On peut goûter? Arrière, petit misérable. Crois-tu que ce soit un plat à mettre dans ton écuelle ou la mienne, hein? Tu dois posséder une énorme fortune, au moins 1000 livres de rente pour effleurer des lèvres à un mets pareil. Et nous, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, comme d'habitude, oignons, lard fumé et biscuits de mer. Entre nous, monsieur Witherspoon, vous trouvez ça juste? Pauvre imbécile, c'est tout le profit que vous avez tiré de mon enseignement? Vous êtes ma honte, Dick Sand. Et si vous n'étiez pas orphelin, je conseillerais à vos parents de vous donner du bâton tous les soirs afin de vous faire entrer dans la tête les principes élémentaires de ma théorie du monde. À savoir que l'humanité se divise en 2 catégories. Les uns reçoivent fortune et honneur, les autres reçoivent des coups de pied au cul. Toi et moi appartenons à la 2e catégorie. Eh oui. Maintenant, monsieur Sand, acquittez-vous de votre tâche. Allons-y. Allez. Où en sommes-nous? Ah oui, l'heureuse bible de ces métiers. Ensuite, ce sera le repas des hommes d'équipage. Logiquement, avec 8 personnes de plus, j'ai 8 bouches de plus à nourrir. Voilà qui est cartésien. Un petit remontant. Eh ben nom de Dieu tout-puissant. Un miracle. Le rhum est le meilleur ami de l'homme, mais... Oh là. D'où que tu viennes, sois le bienvenu.
Toi qui as pitié de la peine des travailleurs et d'un fou dedans, supprime leur labeur. Vous n'avez pas vu un chien? Ah mais si. J'ai également vu un rôti. Au moment où le premier est apparu, bizarrement, le second a disparu. Ils sont maintenant tous les deux confondus. Je suis désolé, croyez-le bien. Car ce chien est à moi. Vous comprenez, on ne se quitte jamais tous les deux. Et... Fan, tu n'as pas honte? J'espère que le mal n'est pas grand. De profundis, le chien a mangé votre dîner. Ah bon, dans ce cas, ce n'est pas très grave. Fan, allez, tu viens? Les autres messieurs ne mangent pas? Non, non, ce soir, ils préfèrent... J'en veux une pleine assiette, s'il vous plaît. Voici la reine, regardez. Maintenant, attention. Regarde bien. Où est la reine? Où est la reine? Abracadabra, corde à nœud et sac d'embrouille. Où est la reine? Où est la reine? Où est la reine? Là. Oh, tu... Et toi, tu veux jouer? Oh non, tu m'y reprendras pas, charlatan. Hé, hey, O'Brien! Elle vient tenter la chance et sauver l'honneur de l'Irlande. Fiche-moi la paix, tu vois bien que je lis. Hé, hey, je le vois, mais je n'y crois pas. Parce qu'il faudrait d'abord que tu saches lire. Mais qui c'est qui t'a dit le contraire? Sur le rôle d'équipage, à la place de ta signature, il y a une croix. Comment? Tais-toi, je l'ai vu. Bon, d'accord, mais depuis, j'ai appris à lire et à écrire. Tu as appris, toi? Et avec quel précepteur? Dick Sand. C'est lui qui m'a aidé. Dick, c'est pas vrai? Il n'a pas l'air très convaincu, le précepteur. Pas étonnant, il roupille. Ouais, c'est toi qui le dis. Il a surtout honte de mentir en public. Bon, attends, nous allons voir s'il dort ou pas. Dick! Dick, mon petit, tu vas témoigner devant cet individu que tu m'as bien appris. Hé, hey, gars, regardez ça. Le trésor d'O'Brien. Une marguerite. Notre hippopotame est bien amoureux. Donne-moi ça, voleur. Donne-moi ça, je te dis. Oh, je t'aime. Un peu, beaucoup, à la folie. Un jour, je te ferai la peau et je te passerai par-dessus bord. Ben, te lever de bonheur, O'Brien, et te décrasser un peu la cervelle. Mmh. Oh, tiens. Oh. Je te ferai la peau. Mais oui, mais oui. Et je passerai ta carcasse par-dessus bord. Allez-y, les gars. Excusez-moi, mon petit monsieur, il y a erreur. Ici, c'est le poste d'équipage. Vos cartes sont... C'est assez évident. Ce n'est pas un endroit convenable pour un garçon de votre condition. Nous sommes tous des rustres mal léchés, des malins qu'il vaudrait mieux ne pas fréquenter. Alors retournez à votre cabine, je vous prie, tâchons de ne pas bouleverser l'ordre naturel des choses. Oh, bonsoir. C'est pas bien gai chez nous. Ils sont malades à crever. Ils ont tous un mal de mer. Allez-vous-en, monsieur, partez, je vous en prie, retournez à vos quartiers. Il est inconvenant que vous restiez ici plus longtemps. Ah, voyez. Non, je reste ici, je trouve que c'est bien plus drôle. Oh. Ah, exactement, mon gars, on ne s'ennuie pas chez nous, pas vrai, O'Brien? Rien, bien que rien, le dernier. Tiens, je connais ce jeu. Il faut deviner où est la reine, c'est bien ça? Oui, c'est exact, oui. Regardez bien. Examinez là, attention. Corde à nœud et sac d'embrouille. Où est la reine? Où est la reine? Où est la reine? Voilà. Oui, remettez-vous. Je connaissais le truc. Dimanche 12 février 1882. Départ du port d'Auckland. Équipage vient à signaler. Passagers.
Hola, vous. Quel est votre nom déjà? Dick Sand, monsieur. Eh bien, Dick Sand, allez donc, je vous prie, me chercher mon petit déjeuner. Bien, monsieur. Comment vous sentez-vous ce matin? Bien, capitaine. Je ne vois pas pourquoi il en irait autrement. Il paraît qu'hier soir, vous n'étiez pas dans votre assiette. D'où tenez-vous cela? À la cambuse, on m'a dit que vous n'avez pas dîné. Cela m'arrive souvent, je ne m'intéresse pas beaucoup à la nourriture. Ah, oh, à votre aise. Tom, pourquoi on s'est arrêté? Demandez-le plutôt au bon Dieu. Un voilier, ça n'avance que si le vent souffle. Et à part les femmes, je ne connais rien de plus capricieux que le vent. Alors on va rester là? Jusqu'à la première brise. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer d'améliorer un peu l'ordinaire. Je vais pêcher une bonne soupe de poisson qui nous changera de l'éternelle soupe aux fèves. Une partie de pêche, tiens. Quelle excellente idée. Avec ma bénédiction. Allez, allez, passez-moi les billets. Regardez comment je fais. Il en a pris un. Il a pris un gros poisson. Regardez. Vous êtes tous de la bête. C'est pas fini. Avec ça, vous avez dit. Formidable. Regardez ce qu'il vient de ramener. On va vous nourrir pendant une semaine à ces conditions. Alors, ça ne vous dit vraiment rien? Merci, capitaine. J'attends de cette croisière d'autres satisfactions que les plaisirs de la pêche. Pour le moment, c'est la seule distraction que je puisse vous offrir. Alors, il n'a même pas le pied marin. Allez, viens, viens, donne-moi la main. À ta place, O'Brien, j'aurais honte d'être aussi maladroit. C'est toi, bandit, qui m'a poussé. Moi? Vous entendez, messieurs? Oh, la mauvaise foi de Lourdeau est pénible. Oh, fiche-moi la paix. Hey, il se fait filer maintenant et sans te noyer. Tom, c'est une bouteille, on dirait. Ma foi, oui. Qu'en dis-tu, O'Brien? Whisky ou rhum? Pour ça, il a un flair extraordinaire. Ferme ta gueule. Oh, attends. Non. Le lundi 8 mars 1882, deux naufragés en détresse lance cette bouteille à la mer. Sur cet îlot désert, leur salut est dans ce message. Qu'il plaise à Dieu dans sa grâce de permettre notre délivrance. 57 degrés 23 sud, 149 degrés 46 ouest. Ne vous faites pas d'illusions, messieurs. Ces bouteilles à la mer sont le plus souvent des attrapes nigauds. Allez, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Hissez les voiles. Allez. Degrés 46 ouest, 149 degrés 46 ouest, c'est là,
Entrez. Capitaine, les jeunes messieurs désirent vous parler. Ils désirent me parler? Tiens, tiens, tous les huit? Ils sont seulement quatre. Oh, une mission protocolaire. Qu'ils entrent. Dis-moi, entre nous, j'aimerais savoir l'impression que tu as de ce groupe de jeunes messieurs. Bah, je sais pas vous dire, capitaine. Des jeunes gens comme eux, j'en ai jamais rencontré. Moi non plus, Dick, moi non plus. Je vous écoute, messieurs. Capitaine Hull, mes amis et moi avons longuement réfléchi au problème posé par ce message. Et nous avons décidé, et je sais que mon oncle Lord Buchanan serait d'accord avec moi... Monsieur Weldon, je voudrais qu'il soit entendu une fois pour toutes qu'en tant que capitaine de ce navire, c'est à moi, et à moi seul qu'incombent les décisions. Mais continuez. Capitaine, ne croyez-vous pas que nous devrions aller au secours de ces naufragés? La question n'est pas là. J'ai reçu de votre oncle une consigne formelle. Ne pas m'écarter de la route convenue. Même s'il y va de la vie de deux hommes? Encore faudrait-il que ce message ne soit pas un poisson d'avril. Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Les cartes ne portent aucune terre autour de la position indiquée. Mais capitaine, des îlots inconnus, cela existe. Je sais que ces îlots existent. Mais ils sont situés justement dans des eaux peu fréquentées et donc pas très sûres. Nous ne craignons pas le danger? Oh, je n'en doute pas un instant, messieurs. Alors, capitaine, que décidez-vous? Je vous le ferai savoir, en temps voulu. Pour l'instant, allez donc vous reposer. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, capitaine. Que se passe-t-il? Le capitaine a changé de cap. Merci, capitaine. Je vous en prie, monsieur Weldon. Demain, nous atteindrons la zone où doit se trouver l'îlot. Attends. Oh. Nous devons trouver l'île ici même. Nous allons décrire des cercles de plus en plus larges, la barre à 30 degrés. Barre à 30 degrés. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Cherchez la vareuse de Tom, il est toujours sur son mât et la brise fraîchit. Grimper là-haut, c'est une prouesse aussi exemplaire que ridicule. Ah oui, pourquoi? Pff, toi tu poses des questions idiotes et ta bêtise m'échauffe la bile. Est-ce que le sort de ces deux naufragés vous paraît indigne de pitié? Oh mon Dieu du ciel, j'ai la lourde charge d'un bien mauvais élève. Des siècles de rapides, de massacres et d'assassinats en tout genre. Et puis subitement, sans la moindre raison, on va, on vient, on s'agite, on se met martel en tête pour voler au secours de deux pauvres vies humaines. C'est cela la logique. C'est cela que l'on nomme le bon sens. Je vous parle, élève Dixon. Allez, allez, petite cervelée. Allez rejoindre votre troupeau. Dérisoire. Toujours rien, Tom? Toujours rien, capitaine.
Rien que la mer. Capitaine, à bâbord, j'ai moins de 12 pieds de fond. Nous approchons certainement d'une barre de récifs. Dans une heure, il fera nuit. Nous allons mouiller ici. Les demain, nous ferons demi-tour. Alors, capitaine, vous voulez renoncer ? Votre enthousiasme est louable, mais je n'ai pas l'intention de casser mon navire à la recherche de deux petits plaisantins qui se sont sûrement payés notre tête. Terre, capitaine ! Terre à bâbord ! Terre ! S'il vous plaît, capitaine, on voudrait voir aussi. Ramenez les voiles, préparez le mouillage pour la nuit. C'est formidable. Je vois même une forêt. Vous me laissez le voir. Quand on va franchir, il n'y en a pas la moindre trace. C'est mon tour. Allons, messieurs, donnez-moi cette longue vue. C'est pas un jouet. Nous irons à terre demain matin. Je ne crois pas beaucoup à l'existence de naufragés, mais au moins, vous vous dégourdirez les gens. Monsieur O'Brien, vous n'êtes pas comme le capitaine, vous y croyez, vous? À quoi? Au naufragé. Moi, mon garçon, je crois ce que je vois et rien de plus. Vous pensez que... qu'ils peuvent être encore vivants, même au bout de 2 ans? À ta place, je prierai pour eux. Ça leur servira à rien s'ils sont morts. Ça ne leur fera aucun tort non plus. Quelle heure est-il? Je sais pas, mais c'est l'heure d'aller te coucher. Je n'aime pas dormir. C'est comme si on était mort. Oui, ben pour l'instant, en tout cas, il faut dormir. Est-ce que nous irons tous ensemble explorer l'île? Oui, oui, ne t'inquiète pas. Le capitaine l'a promis. Allez, dors. Tu n'as pas fini de t'agiter? Va dormir. Demain matin, on va tous explorer l'île.